Bonsoir, je vous souhaite une très belle et sainte année 2021, qu'elle soit toute remplie de joie et de grâce pour chacun de vous, pour vos proches et pour tous les prêtres. Aujourd'hui, nous nous présentons comme ces mages aux pieds de Jésus et nous apportons de précieux cadeaux. Mais nos offrandes ne sont ni de l'or, ni de la myrrhe, ni de l'encens. Mais c'est ce précieux trésor qu'est la communion des saints, tous unis dans la joie pour prier pour les prêtres. Soutenons-nous bien les uns les autres, dans la prière, pour toujours continuer. Ne nous décourageons pas de prier. Parfois, nous sommes mis à l'épreuve, troublés dans nos vies parce que nous prions. Que cela plaît certes beaucoup au Seigneur, mais cela déplaît au malin. Et il peut essayer de nous distraire, de détourner notre regard et de salir notre prière. Mais ensemble, nous sommes forts et Dieu est tout-puissant. Pourquoi prions-nous pour les prêtres et les séminaristes? Parce que nous voulons les encourager à se soutenir les uns les autres, pour qu'il y ait une belle fraternité entre eux. Le 27 mai 2017, dans la cathédrale de Gênes, le pape a invité les prêtres à développer la fraternité entre eux. Il disait que c'est une richesse, car elle ouvre les cœurs. Cette attitude, qui est un travail de tous les jours, n'est pas entrée assez profondément dans le cœur des prêtres, a-t-il regretté. Et quand la fraternité vient à manquer entre les prêtres, il y a trahison. On vend le frère, on écorche le frère, à l'image du diable. Nous sommes les disciples du Seigneur, nous devons nous aider les uns les autres, dit-il. Même si cela peut parfois susciter des disputes, il ne faut pas avoir peur de ces discussions, car elles prouvent qu'il y a liberté, amour, fraternité. Message du 6 janvier 1978 de la Vierge donnée à Don Gobi du mouvement sacerdotal marial. Tu peux nous aimer aussi de cette manière. Mon fils bien-aimé, pénètre de nouveau avec sérénité dans le cœur de Jésus. Si tu savais combien il t'aime, comme il te regarde avec prédilection. Sais-tu pourquoi? Parce que tu es toujours aussi petit, aussi pauvre, aussi rempli de défauts. Jette tout dans la fournaise ardente de son cœur et tout sera brûlé par son amour miséricordieux. Tes péchés, tes faiblesses, tes défauts. À la fin, il ne restera plus rien qui t'appartienne. Le bien que tu feras sera uniquement notre œuvre. Toi, tu nous offriras le don qui pour nous est le plus précieux de tous et que nous désirons toujours de toi, ton amour. Tu peux nous aimer aussi de cette manière, dans la petitesse, dans la pauvreté, dans ta misère vraiment profonde. Ne te décourage pas quand tu vois que tu me promets quelque chose et que tu ne tiens pas ta promesse. Tu m'as toutefois offert ta peine et ton repentir pour ton erreur, et mon cœur maternel en tressaille de joie. Efforce-toi cependant d'observer tout ce que je te demande et d'être fidèle à ce que tu promets. Silence avec tous, prière, souffrance et la plus entière confiance en moi. Ces douleurs intimes, ces secrètes humiliations te rendent semblable à mon Fils crucifié. Laisse-toi de plus en plus assimiler à lui par ta maman du ciel qui veut t'étendre comme il convient sur la croix, celle que mon Fils Jésus a préparée pour toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers prêtres, nous vous confions à la Vierge Marie pour qu'elle éloigne de vous tout mal et toute tentation. Ne succombez pas, chers prêtres. Il le faut, servez-vous de nos anges gardiens pour éloigner de vous le malin. Si vous faiblissez, nos prières vous relèveront, car c'est à celui qui peut tout que nous les adressons. Courage dans ces moments difficiles pour l'Église, où le péché de l'homme fait tant de mal. Et merci Seigneur pour les sacrifices offerts par les prêtres pour racheter les fautes commises par d'autres et apaiser ceux qui ont souffert. Soyez de saints prêtres, nous avons confiance en vous. Vierge Marie, vous qui êtes ma mère, je m'offre tout à vous et je vous consacre mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout moi-même. Et puisque je vous appartiens, Vierge Marie, gardez-moi, défendez-moi, je suis votre enfant. Sainte Marie, mère des prêtres, je vous confie le pape, les évêques, tous les prêtres et les séminaristes. Veillez sur eux. Donnez-leur la force de bien exercer leur sacerdoce pour qu'ils puissent grandir toujours plus en sainteté. Je vous confie ces garants de la paix, qu'ils nous guident et nous aident à réfléchir sur nos vies, à nous apprendre à les rendre plus belles, à votre image et celle de votre Fils. À travers l'évangile qu'ils portent et les homélies qu'ils nous partagent, portez leur message de paix en nous-mêmes, envers les membres de notre famille, envers nos amis, envers nos relations, envers notre prochain, pour que nous portions la paix dans le monde. Amen. Psaume 71. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu donne aux rois tes pouvoirs, à ce fils de roi la justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Il les rachète à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui. Tous les jours, on le bénira. Que son nom dure toujours, sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Vierge Marie, Mère du Christ prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils unique. Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre et vous l'aidez encore dans le ciel. Nous vous en supplions, priez pour les prêtres, priez le Père des cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Priez pour que nous ayons toujours des prêtres,
qui nous donne les sacrements, nous explique l'évangile du Christ et nous enseigne à devenir de vrais enfants de Dieu. Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père, les prêtres dont nous avons tant besoin, et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Prière de la Fraternité Marie, Mère des Prêtres. Vierge Marie, Mère des Prêtres, apprends-moi à aimer les prêtres comme tu les aimes. Dieu seul connaît toutes choses et conduit l'Église avec sagesse. Obtiens-moi un cœur d'enfant plein de bienveillance et de miséricorde, toujours prêt à s'émerveiller devant la beauté du sacerdoce. Prends-moi près de toi au pied de la croix, que je puisse offrir Jésus au Père et m'unir à son offrande, en particulier lorsque je communie pour les prêtres. Vierge Marie, je me remets entre tes mains. Sers-toi de moi si tu le souhaites pour donner aux prêtres et aux séminaristes le soutien spirituel et concret dont ils ont besoin. Qu'ils s'attachent toujours plus à ton cœur immaculé et qu'ils nous mènent tous à la joie éternelle. Amen. Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi
chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs. Oh, ma mère chérie, sur la rive étrangère, pour m'attirer à toi, que tu verses de pleurs. Chanter, Marie, pourquoi je t'aime.